bureau de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine à Angers. Pierre-Jean Millet est contrôleur. Il prépare une dégustation à l'aveugle. Dans ses bouteilles anonymes, Pierre-Jean a mis les 8 sortes de vins d'un producteur d'Anjou qui postule comme tous les ans au label Appellation d'origine contrôlée. Et voilà, c'est terminé. Ça sort des cuves et ça représente l'ensemble d'une appellation d'une cave. Cette dégustation est un enjeu énorme pour le vigneron. Coteau du Layon, monsieur Berger, monsieur... Dans cette salle, Layon. Les jurés sont marchands de vin, œnologues et viticulteurs. Maître de cérémonie, Pierre-Jean leur présente une cinquantaine de vins. Monsieur Cadeau, les jurés ont 2h30 pour dire si ces vins méritent le label de qualité AOC, le label des meilleurs vins du monde. Pour le vigneron, obtenir l'AOC, ça veut dire pouvoir vendre son vin au moins 5 fois plus cher que s'il était relégué en catégorie inférieure, vin de pays ou vin de table. Tous les vins présentés ont déjà été refusés 2 fois à l'AOC, lors de précédentes dégustations. Aujourd'hui, c'est la dernière chance. Là, on est à la sanction. C'est une sanction, on ne peut plus rien faire. Si le vin il est passé les 3 fois qu'il est refusé, on ne peut plus rien faire. L'expertise commence. Première étape, les jurés cherchent à détecter les gros défauts, mettre un nom sur les goûts, les odeurs, les couleurs qui leur déplaisent et qui peuvent disqualifier un vin. Au départ, quand on le voit, on se rend compte qu'il est quand même légèrement avancé au niveau couleur. Et en bouche, au nez, on trouve une oxydation. Et en bouche, l'oxydation est assez prononcée. Alors moi, personnellement, ce vin-là, je vais le refuser. Pour quelle raison? Parce que pour moi, il ne correspond pas à l'appellation. J'ai les notes de bois sec aussi. Est-ce que ça serait pas le bois sec? Cette sélection est pourtant loin d'être infaillible. D'abord, un tiers des jurés dans la salle sont vignerons, c'est-à-dire jugés partis. Ils savent que peut-être, ils sont en train de noter leur propre vin, alors certains sont très cléments. Ensuite, c'est le système des 3 séances de dégustation qui est en cause. Parfois, 50% des vins sont refusés à la première session, mais au final, seuls 5% d'entre eux sont vraiment éliminés. Alors, comment la qualité d'un vin peut-elle changer entre 2 dégustations? Bien sûr, le vin peut s'améliorer avec le temps, mais ce qui se dit aussi, c'est que certains viticulteurs peu scrupuleux jouent aux petits chimistes pour changer le goût de leur vin et réussir l'examen. Le système de sélection des AOC par dégustation reste donc très aléatoire. Est-ce qu'on peut tout détecter ici? Non. Ça, je ne le crois pas. Vous savez, c'est difficile de trouver, de dire ce vin-là, il a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. De là à remonter et dire pourquoi ça ne va pas. Dans la lutte contre les tricheurs de l'AOC, les contrôleurs du vin sont en première ligne. Lorsqu'il y a un doute, Pierre-Jean prend ses cartes et ses dossiers et il part dans les vignes pour la journée. Ce matin, il emmène son chef Pascal Cellier, le responsable régional de l'INAO. La Bible de Pierre-Jean, c'est le décret de 1935 qui a institué les AOC. C'est la règle de production la plus stricte du monde. Elle impose de respecter une origine géographique et un rendement maximum pour que le raisin soit bon. Pierre-Jean veut montrer à Pascal la vigne douteuse d'un vigneron de l'appellation Anjou Village. Fléau numéro 1 dans les AOC, l'excédent de récolte. C'est quand même ce qu'il faut. Hein. Ouais. Une, deux. Dans cette trois, appellation, quatre, le rendement maximum, cinq, c'est environ 12 grammes 7, par pied. 8, au-delà, 9, le raisin ne vaut plus rien. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Là, c'est clair, on est sur une parcelle qui a 2 fois trop de récolte. Hein. Et en faisant le tour de son exploitation, on va voir qu'il y a des parcelles où il n'y a quasiment pas de récolte. Dans leur métier, on appelle ça faire pisser la vigne. Pascal et Pierre-Jean connaissent la combine. Ils partent à la recherche d'une vigne où il n'y a presque pas de raisin. Ils vont la trouver juste de l'autre côté de la route. Cette vigne-là, ça s'appelle une vigne éponge. On est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 crapes. Et qu'est-ce que vous en concluez? On conclut que si... L'idéal, ça serait d'en décrocher là-bas pour la rattacher là. Quoi. Quand on rendra la déclaration de récolte, si c'est le rendement maximum sur l'ensemble des parcelles, on se dit qu'il y a un problème. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'il mélange ses vignes? Ça veut dire ouais. Qu'il le trop plein de grappes de la parcelle précédente va être revendiqué sur cette parcelle, ce que l'on ne veut pas. Ils n'en veulent pas, car avec un vin pareil, le consommateur sera déçu. Pour les tricheurs, ce n'est pas leur problème. Cette pratique leur sert avant tout à faire des économies puisqu'ils n'entretiennent qu'une parcelle sur 2. La caricature de la vigne éponge, c'est celle-ci.
il n'y a même pas de raisin sur la vigne et au bout du champ, il n'y a même pas de vigne. C'est un mystère, mais des parcelles comme celle-ci donnent du vin revendiqué en AOC. Pierre-Jean et les 250 contrôleurs de la vigne connaissent ces pratiques par cœur. Le paradoxe, c'est qu'ils n'ont quasiment pas de pouvoir de sanction. Seulement le droit de faire des remarques à leur risque et péril. Là, il va se sentir agressé, il va se sentir en défaut. Et il peut que le reconnaître. Il peut pas dire... je veux dire, c'est indéniable. Hein, donc c'est sûr qu'il sera pas content. Par le passé, vous avez eu des menaces ? Ah, des menaces, des choses difficiles, ça oui, ça c'est sûr, on a eu ça. Ça arrive assez souvent, mais bon, finalement... On a eu déjà des menaces à coup de coups de fusil, ça arrive. Quand l'INAO ne peut plus rien faire, ce sont les douanes qui prennent la relève. Avec le service de la répression des fraudes, ce sont eux les vrais gendarmes de la vigne. Bonjour madame, monsieur Salforien du centre de viticulture de Bordeaux. Voilà. Les douaniers, ils ont tous les droits et ils débarquent sans prévenir. Voilà, nous venons vous voir parce que nous allons faire un contrôle de votre exploitation. Oui. À savoir, nous allons contrôler... Aujourd'hui, c'est au tour d'un producteur bordelais d'AOC grave. Ils vont fouiller l'exploitation de fond en comble. Sans doute, oui, on est en pleine vendange, c'est pas très facile. Oui, tout à fait. Excusez-nous, mais bon. Vendange ou pas, ça fait 7 ans que ce viticulteur n'a pas été contrôlé. Il est bien noté par les guides des vins, mais la règle est la même pour tout le monde. Il se prête au contrôle sans sourciller. Donc numéro 1, 95 hectolitres. Oui, très bien. Numéro 2. 92 hectolitres. Numéro 2, 92 hectolitres. Toujours en récolte 2002 en blanc. 2002 blanc. Le douanier et le viticulteur, c'est un peu comme deux joueurs de poker. Le premier déclare tout ce qu'il a et le deuxième demande à voir. Les bonnes années, le douanier cherche les surplus destinés au marché noir. Les années de petite récolte, comme 2002, le douanier sait que le vigneron ne pourra pas produire autant de bouteilles qu'il espérait. Il sera peut-être alors tenté de frauder. Si c'est bien en dessous, bon, il y a certains viticulteurs qui... véreux, hein, évidemment, qui sont tentés disons, d'obtenir des vins d'une autre région pour compléter leur rendement. Si le viticulteur complète sa production de cette manière, le vin n'aura plus rien à voir avec l'appellation d'origine qui figure sur l'étiquette. Les coups de marteau, c'est pour vérifier que les barriques vides sont bien vides et les plaines vraiment pleines. Pour celui qui a fait une fausse déclaration, la sanction peut être terrible. Il peut y avoir des fraudeurs professionnels. Lorsqu'on les découvre, qu'on arrive sur une procédure à des amendes extrêmement fortes, si fortes qu'un viticulteur qui est pris ne pourra pas continuer à exercer longtemps. Il sera quasiment obligé de vendre la propriété. Et pourtant, malgré ces risques énormes, certains continuent d'alimenter le marché noir. Il peut y avoir un marché de vente de vin occulte. Il nous est déjà arrivé, effectivement, de faire un certain nombre d'affaires dans ce sens-là, oui. Alors, où passent tous ces surplus ? Entre autres, dans des ventes de vins dits déclassés. Vous êtes nombreux à en avoir entendu parler et qui sait, peut-être acheté. Au moment de Noël, ces bonnes affaires sont proposées à des comités d'entreprise, comme sur ce film tourné par la répression des fraudes. Au sous-sol de ce pavillon, une montagne de bidons d'AOC dits déclassés. En fait, ça ne veut rien dire. Il s'agit d'une vente de vins dits déclassés, hein, des Bourgognes, des Bordeaux, des vins qui étaient présentés comme des vins d'appellation, des vins de table avec appellation d'origine, ce qui était un peu curieux comme présentation. Les faux AOC sont dans ces cubis. On choisit son numéro pour repartir avec un vin au nom prestigieux. C'est quoi le 4 ? Château Neuf. Et pour faire plus vrai, le client crédule réclame aussi sa fausse étiquette. Oui, j'en ai pris, j'ai Gondas. C'est pris, j'ai Gondas. Vous voulez pour moi aussi ? Oui, oui, tout pour tous. Il y a encore du Saint-Véran. C'est vraiment le grand travers en France. Le consommateur français, le client français est toujours à l'affût de la bonne affaire. Il veut absolument trouver une bonne occasion et souvent, bah, il se fait pigeonner, ni plus ni moins. Pour éviter que les consommateurs ne se fassent pigeonner, les douaniers sont sur le pied de guerre. 7h du matin, péage de Saint-Selve, sur l'autoroute entre Toulouse et Bordeaux. C'est du vin rouge, là, hein, qui provient de Sète et qui va apparemment sur Bordeaux. Parmi les fraudes aux AOC, il y a aussi des négociants qui mélangent les citernes.
La qualité des vins d'appellation, ce n'est pas qu'une affaire de goût. Ça rapporte plus de 4,5 milliards d'euros par an au commerce extérieur de la France. Éviter les fraudes et exporter des AOC dignes de ce nom, c'est devenu une priorité nationale. Londres, premier marché mondial du vin. La concurrence y est impitoyable, surtout dans la gamme la plus répandue, les vins de 5 à 10 euros la bouteille. En 8 ans, la part des vins français dans cette catégorie est tombée de 35 à 25%. Et le moindre doute sur les AOC peut aggraver le recul français. La fraude, c'est l'obsession de Tim Scotchmer. Après 25 ans dans la police criminelle, il est aujourd'hui inspecteur de la répression des fraudes britanniques. En collaboration avec leurs homologues français, les fraudes britanniques ont récemment saisi dans des entrepôts de la banlieue de Londres plusieurs dizaines de milliers de bouteilles de vin de pays qu'un négociant français vendait en vin AOC Bourgogne. Tim surveille 250 marchands de vin. Bonjour Peter, comment ça va? Content de vous voir. Comment vont les affaires? Ça va bien, merci, les affaires sont bonnes. Peter Watts vend 400 000 bouteilles par an à travers toute l'Angleterre. Vin français contre vin du Nouveau Monde. L'argument des Français, c'est d'affirmer que les autres ne font que du vin de table quand eux s'impose la règle de l'origine contrôlée. Un argument valable si le client peut acheter un vin français les yeux fermés. Pour Peter Watts, c'est là toute la difficulté. Pour lui, les AOC, c'est un peu la loterie. Prenez deux producteurs dont les domaines se touchent. Il y en a un qui va faire un vin magnifique et l'autre qui va faire un vin pas terrible. Et pourtant, ils ont tous les deux la même appellation et ils font leur vin dans le même village. Tim prélève cette bouteille pour analyse. En prélevant 12 Bordeaux il y a quelque temps, les Britanniques les ont renvoyés en France pour analyse. Le verdict fut plus qu'inquiétant. Les Français ont été obligés de le reconnaître. Ces vins n'étaient pas du tout à la hauteur de leur AOC. D'ailleurs, dans 3 ou 4 cas, les fraudes ont débarqué chez les producteurs. Elles ont passé toutes les déclarations au peigne fin. Elles ont même mis en liquidation une ou deux exploitations. Ces vins étaient vraiment mauvais. Retour en France pour cette bouteille. Destination le laboratoire de la répression des fraudes à Bordeaux. La fraude au vin d'AOC, c'est un peu comme le dopage, de plus en plus sophistiqué. Alors, les gendarmes de la vigne ont eux aussi leur laboratoire de police scientifique, comme ici à Talence, sur le campus de l'Université de Bordeaux. La bouteille de Tim est là, prête à subir un interrogatoire poussé. Il n'est pas très vieux, mais... Le professeur Bernard Medina est un expert. Avant la technologie, un test, ça commence toujours par une dégustation. Rien à dire au point de vue arôme, on va voir en bouche. Un peu mâché, des tanins un peu secs. Je le trouve un peu sucré. Voilà, faudra regarder les... Peut-être les sucres, hein, dans un premier temps, on va regarder. C'est parti pour la séance de torture. Première opération, on fait bouillir le vin pour isoler l'alcool. L'alcool, c'est un dérivé du sucre. Et le sucre, c'est la fraude au vin la plus répandue dans les AOC. Rajouter du sucre en petite quantité, c'est légal, mais pas à haute dose, comme certains viticulteurs le font. Ça s'appelle la surchaptalisation. Depuis 2 ans, les fraudes ont généralisé l'utilisation de l'arme absolue, la résonance magnétique nucléaire. À l'hôpital, cet appareil à radiation sert à détecter les tumeurs au cerveau. Sur le vin, ça permet d'identifier chaque molécule, dont le sucre. On peut prouver l'ajout de sucre grâce à un mouchard naturel, qui est le deutérium, qui se trouve en quantité différente si l'alcool est issu de sucre de betterave, de sucre de canne ou de sucre de raisin. Les experts des fraudes ne traquent pas que le sucre. La liste des additifs autorisés dans les vins d'AOC remplit 3 rangées sur les étagères. Enzymes pour désintégrer la peau du raisin, levure artificielle pour contrôler la fermentation, clarifiant pour la couleur. L'industrie vinicole s'est outillée pour corriger les caprices de la nature et de la météo. Aux fraudes ensuite de détecter les produits interdits, mais surtout de coincer ceux qui abusent des produits autorisés. Grâce à leurs appareils, les spécialistes réussissent maintenant à déduire ce que le vigneron a fait dans ses vignes. L'avantage qui a été utilisé,
était certainement très peu mûr. Elle devait certainement manquer de maturité. Bien sûr, la machine n'est pas infaillible. Les fraudes le savent et Bernard Medina a décidé qu'il fallait remonter à la source pour anticiper sur les fraudes à venir. Il va être bon cette année ? Tu les as triés ou... Ce raisin dans la cagette a été prélevé dans le Bordelais. C'est avec ce raisin Merlot que les châteaux font leur vin. Alors, les fraudes aussi. Par rapport à ce qu'on a pu recevoir avant. Ouais, ça mûrit, hein. Ça mûrit. En fait. C'est la cuvée des fraudes. Ça nous permet de vérifier que les châteaux, entre autres, que les viticulteurs ne rajoutent pas de sucre. Ça nous donne une vision de l'année, exactement telle qu'elle est. C'est un côté, pour nous, une référence indispensable. Hein. Première impression avec le jus de raisin 2002. Inutile ensuite d'essayer de faire croire qu'une année médiocre peut donner un grand millésime. Si quelqu'un vous sort un vin superbe, vous aurez des doutes. On aura quelques doutes. On poursuivra l'analyse de façon un peu plus approfondie, effectivement. Le laboratoire de vinification ne ressemble pas vraiment aux caves d'un château bordelais, mais il est tout aussi efficace. Millésime 2002, en train de nos références, en train de barboter. Ça fait 10 ans que les fraudes font leur vin. Quand il veut consulter sa banque de données, Bernard Medina n'allume pas son ordinateur. Assez bonne. Alors voilà la cave, hein, c'est la cave. Vous voyez, il y a la même là on voit la poussière. Hein, ça c'est ici, là, sur nos micro-vinifications de, vous voyez, les 96, 97. Et donc il vieillit dans des conditions proches de l'idéal. Hein. On n'a jamais bu pour des fêtes ou des... Non, on a du meilleur. Hein, on a du meilleur que notre château DGCCRF de Talence. Des vignerons coincés par les labos des fraudes, des tricheurs, nous en avons retrouvé un, quelque part en France. Ce n'est pas un petit vigneron qui a du mal à s'en sortir. Il a plus de 100 hectares. Et pourtant, il a été condamné l'an dernier pour aromatisation à la liqueur d'abricot, une pratique strictement interdite. Bonjour. En AOC. On est une équipe de France 2 pour Envoyé Spécial. Oui. Vous aviez eu quelques soucis avec les fraudes et l'INAO? Ah oui. Pour un problème d'abricot. C'est quoi? C'est un dérapage? C'est une... Ah non, pas du tout, non. C'est un essai. Donc on a voulu essayer d'en vendre une petite partie, c'est-à-dire 1000 bouteilles ou peut-être même moins, je crois bien. On a eu les fraudes qui sont venues à la maison, qui nous ont bloqué tout notre vin. Mais avant la distillerie, il faut le savoir, ça. C'est-à-dire la totalité? Oui, le vin même qui n'était pas, tout est parti à la distillerie. Il y a des choses qui sont autorisées en vin de pays, pas en AOC? Peut-être, oui. Oui, peut-être que pour les vins d'AOC, oui, on n'y a pas le droit du tout. On ne le refera pas. Terminé. Non, on va être sérieux. C'est ça, parce qu'il y a un petit peu mauvaise réputation là, voilà, autour de vous maintenant. Exactement. Bon, ça ne nous a pas empêché de vendre notre vin, hein. faut pas se leurrer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde n'est pas dans la droiture même non plus, hein, en viticulture. Il y en a d'autres qui font des fautes, pas vu, pas pris. Le même vigneron s'est également fait prendre pour enrichissement illicite au sucre de betterave pour remonter son degré d'alcool. Cette fraude s'appelle de la surchaptalisation. Quand il pleut tous les jours, qui ne surchaptalise pas? Moi, j'aimerais bien le savoir. Ah, carrément. Ah oui, moi je... Surchaptaliser, mais là de ce qui est permis. Voilà. À l'écouter, tout le monde est dans le même sac. Pourtant, faire son vin selon les règles de l'appellation est un point d'honneur pour la majorité des viticulteurs, petits ou grands. Comme ici à Vaune-Romané, sur l'AOC la plus célèbre de Bourgogne, le cru mythique de la Romanée-Conti. Allez, on va y aller? Oui. On y va? 21 septembre 2002, 8h du matin. Depuis une semaine, ils attendaient que le raisin soit parfait. Premier principe en forme d'évidence, pour faire un grand vin, il faut un grand raisin. Et ici, on sait attendre. Derrière cette croix, le Saint des Saints, la parcelle qui donne un des vins les plus rares du monde, la Romanée Conti. 6000 bouteilles par an. On s'est entraîné pendant 5 jours et on va faire la Romanée Conti aujourd'hui. Alors, pas besoin de dire que le soin et la qualité du travail doivent être encore plus spectaculaires que d'habitude. Ce raisin, c'est sa raison de vivre. Aubert de Vilaine est l'héritier d'un savoir-faire précieux que sa famille se transmet depuis 7 générations.
n'hésitez pas à laisser les gros raisins. Je veux dire. Voilà. Dans le doute, vous laissez. Hein. Ça vaut quand même le coup d'essayer d'en prendre. Ici, pas de quartier. Aubert de Villaine exige qu'on jette le raisin qui n'est pas à maturité, même si cela fait mal au cœur aux vendangeurs néophytes. Ça, par exemple, on peut quand même le prendre. Ah oui, ça vaut le coup. Ça, c'est joli, ça. Voilà. Par contre, ça c'est moins mûr, à mon avis. C'est moins bien. Hop là, allez. Mais c'est pas facile, hein. Non, ça c'est pas assez mûr. Et ça non plus. Des petites comme ouais, ça, ouais, je pense qu'on peut les prendre. Ouais. Qu'est-ce que vous rejetez? Qu'est-ce que vous gardez? Bon, là par exemple, vous voyez, c'est un petit peu rose. C'est légèrement rose. En bas, on voit que ça se détache pas très bien. Donc ça, on le laisse. C'est pas mûr, quoi? Pas tout à fait assez mûr. C'est pas des choses d'une précision extrême, hein. Il faut être... ça se fait un petit peu au feeling, comme on dit. Du feeling et beaucoup d'émotion. En une matinée, les vendangeurs cueillent le fruit d'un an de travail patient et minutieux dans les vignes. Le principe fondateur de l'AOC, c'est la notion du terroir, qui donne aux raisins des goûts différents selon les parcelles. De ce côté-ci, c'est Richebourg, et de ce côté-ci, c'est la Romanée-Conti. Voilà. C'est là. Une délimitation précise établie par les moines vignerons il y a 1000 ans. Aubert de Villaine connaît son domaine par cœur. Ça, c'est la borne qui borne le côté nord de la Romanée-Conti. Donc ça commence là. De ce côté-ci, voilà. Ces limites ancestrales n'ont pas été placées là par hasard. La Romanée-Conti, ça fait à peine plus d'un hectare 80. Et pourtant, au XIe siècle déjà, les moines trouvaient que le vin de cette parcelle avait une longueur en bouche incomparable. Les moyens pour faire de la Romanée-Conti, ce ne sont pas des moyens ni technologiques, ni des tours de passe. Des choses. C'est vraiment uniquement que le terroir s'exprime, équilibre du sol, finesse du matériel végétal, travail très fin, et on y est obligé si on veut faire de la Romanée-Conti. On a presque envie de dire, mais c'est aussi simple que ça pour faire du bon vin. Exactement, mais il n'y a rien de plus difficile que la simplicité. L'homme et son terroir, c'est cette notion très française qui fascine le monde entier. Des Japonais, il en vient toute l'année pour admirer le mythe. Le terroir, c'est le secret, à condition de respecter sa vigne, c'est ce qui explique que chaque appellation est unique au monde. Restaurer l'esprit de la Romanée dans chaque AOC, c'est ce qui anime René Renoux. Une passion, voire même une obsession. René Renoux est président de l'INAO, mais avant tout vigneron. Il sait exactement de quel mal souffrent les AOC en France. En 2 ans de bataille avec les lobbies viticoles, il ne s'est pas fait que des amis. Mais il vient d'obtenir un décret qui impose une transparence totale dans les vignes pour briser la loi du silence. La plus grande erreur de la viticulture française, à mon sens, a été d'entretenir ce climat de « je travaille bien dans mon appellation, tu travailles mal dans mon appellation, nous sommes solidaires tous les deux, puisqu'on est du même village, on est collègues, on est amis. » Moi, je ne crois pas ça, je crois que si toi tu travailles mal, on doit te dire « tu travailles mal », tu rectifies ou alors tu sors de l'appellation. Dans les vignobles, les agents de René Renoux sont désormais mandatés pour faire le ménage. Ce matin, les deux agents d'Angers, Pierre-Jean Millet et Pascal Cellier, se rendent dans l'AOC Coteau du Lion Chaume, un vin liquoreux du type Sauterne. Pierre-Jean et Pascal ont rendez-vous avec les 3 membres de la commission disciplinaire locale. Les propriétaires, eux, ne sont pas invités. La première fois cette année que ça nous arrive, il y a quand même 4 parcelles où il n'y a eu aucun travail d'effectué. L'agent de l'INAO désigne chaque parcelle non conforme qu'il a repérée. Aux vignerons de la commission de juger le travail de leurs propres voisins. Soyons sérieux, ils regardent les quantités. Mais vous en avez quand même beaucoup de trop. Après, vous en avez 15 au moins, là, vous en avez une dizaine, il y a quand même beaucoup trop de raisins. Combien? Dans une vigne comme ça, il en faudrait un maximum de 8 raisins. 8, ouais, voilà. 8 grappes. 8 puis c'est de, raisins, là, c'est, ouais, c'est de la belle grappe en plus. Hein. C'est pas... Elle n'est pas dans les objectifs de travail de l'appellation. Ouais. Donc elle est décassée? D'accord. Décassée. D'accord. Bon. Dans le petit monde de la vigne, avant, on savait, mais on laissait faire. Aujourd'hui, jamais, donc, c'est terminé. Oui. Parce qu'il voudra. Hein. Ah bon. C'est un récalcitrant, là. C'est non, peut-être pas. C'est un monsieur qui a une autre vision peut-être de la viticulture. Au final, ce matin-là,
la commission va déclasser 4 parcelles. Un manque à gagner important pour les propriétaires. Mais l'heure n'est plus aux arrangements entre voisins, ni à la loi du silence. Non, elle est belle, cette vigne. Regarde ça. Non, mais on peut pas. Ça, c'est quand même trop chargé. C'est trop chargé. Eh, commission unanime. Là, on regarde. Donc, verdict, déclassé. Oui. Bien, donc cette parcelle-là, on avait envoyé un courrier. Alors là, au début, moi je l'avais noté. Après, on avait dit, oh non, après tout, ça va. Oui, non, ça, pas plus de 10 grappes. Hein? Non, plus j'en entends. C'est pas si mal que ça. Attends, t'as des souches, t'as plus de 10 grappes. Hein. Avec ces contrôles imparables à la parcelle, le travail de Pierre-Jean et Pascal va presque devenir un jeu d'enfant. Si la vigne est bien menée, on sait que derrière, il y aura un beau produit. C'est même pas la peine d'aller se poser la question sur le vin qui va être produit dans ces vignes-là. On sait que c'est gagné. Par contre, vous avez vu des vignes, on sait que c'est perdu. Bientôt, ce contrôle à la parcelle va se généraliser aux 450 appellations d'origine contrôlée. La profession s'est lancée dans un grand nettoyage. Les viticulteurs qui ne voudront pas respecter ces nouvelles règles seront rayés de la carte des AOC. Malgré tout, certains veulent aller encore plus loin. Au cœur de l'Anjou, le clos de la Coulée de Serran est un domaine de renommée internationale. Ces 3 viticulteurs sont considérés comme de dangereux extrémistes par une partie de la profession. Ils veulent carrément remettre à plat le système des AOC. Il faut simplement que le consommateur puisse savoir que ce qu'il a dans la bouteille est une véritable manifestation du lieu. C'est pour ça qu'on a créé des appellations contrôlées dans les années 30. Or maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On défait un vin en ne comprenant pas la vie dans les vignes, c'est-à-dire avec une agriculture qui est folle, qui empêche le lieu de s'exprimer, qui tue la vie de lieu, qui empêche le lieu de s'exprimer. Et on reconstruit le vin en cave en transformant le cellier en usine. Eux, ils font du vin sans rien ajouter. Ces 3 conspirateurs se retrouvent souvent ces derniers temps pour discuter des moyens de distinguer leur vin de ceux des autres aux yeux des consommateurs. L'objectif de ces 3 mousquetaires de l'Anjou, obliger chaque producteur d'AOC à révéler comment il fait son vin. Alors, ils ont une proposition simple et efficace. Exiger la transparence totale sur l'étiquette. Voilà. Notre but, c'est pas de dire c'est bon, c'est pas bon. Quand il y a des actes en cave qui amènent des goûts totalement arbitraires, est-ce qu'il faudrait pas exiger des contre-étiquettes en disant goût de fruits rouges lié à la levure aromatique numéro tant ou goût de banane lié à la levure aromatique numéro tant? Aujourd'hui, on peut acheter une bouteille de vin, on achète du vin, mais on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a dans le vin. C'est pas on l'exige pour des fabricants de salades, d'une barquette de salade au jambon au supermarché. En revanche, du vin, c'est du vin. Voilà. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça. Notre but est de dire, voilà un tiroir de gens qui respectent un certain nombre de règles. Voilà. Vous êtes d'accord là-dessus, Francis ? Oui, bien sûr. Réunir ceux qui travaillent comme eux, ça reviendrait à créer une scission au sein des AOC, mais nous n'en sommes pas encore là. Mais tu vois quand même, tu vois, Nadie, là, je dérange. En attendant, Nicolas Joly veut montrer à ses 2 compères qu'il a gagné son pari avec la nature, sans produits chimiques, sans engrais, ni désherbants. On a envie d'en manger de ces feuilles-là. Ouais. Non, mais c'est. C'est-à-dire que quand on sait comment elle a été. Elle a été faite toute l'année. Quand on sait les produits qui ont été employés, c'est superbe. Il y a plein de gens qui vont dire ça a été traité chimique, c'est pas possible que t'aies pas d'attaque de rainier rouge, il n'y a pas de grillure de feuilles, il n'y a pas de. Cette nouvelle race de viticulteurs veut laisser ses vignes exprimer au maximum le goût du terroir. Ils demandent un retour à la source des appellations d'origine contrôlée. Des valeurs que l'industrie vinicole française avait un peu oubliées ces dernières années, sous la pression de la concurrence internationale. À mon avis, avec juste de la sauge et du citron, on peut résoudre. Ah oui, moi j'ai des progrès énormes avec le citron et avec la sauge. Ah oui, énorme, pardon. Énorme.